Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement. Je suis à l'autre bout de la connexion FaceTime avec the one and only Dominique Harel, alias Dom Harel. Dominique, Dom, comment est-ce qu'il va bien déjà? Bah, il va bien, il a eu des périodes d'armes comme tout le monde. Oui, j'imagine, oui. Le lendemain, mais il y a eu des périodes un peu dures quand même, surtout la première semaine quand ils ont annoncé tout ça, là c'est le tsunami quand même. Hein. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Alors précise un petit peu là pour ceux qui te connaissent pas encore, parce que Dom c'est quelqu'un qui est extrêmement important dans le monde de la musique, parce que tu gères Planet Live, Music Live, voilà. Le backstage à Montrouge. On a commencé avec Music Live le 4 mars 96. On est des vieux de la vieille quand même. On a enchaîné sur Planet Live, donc Music Live 96, Planet Live en avril, 23 avril 2004. Donc Music Live studio de répétition, Planet Live studio de répétition, vente de consommables, livraison, donc transport et également location de backline sur toutes les grosses tournées et festivals. On a enchaîné sur Magic Bus Live qui est une société qui on a 24 véhicules de transport. Personne et backline. Et on a monté Guest Live, on se sert pour de l'événementiel, pour du studio, dans lequel il y a un petit restaurant, le 36 également. Et plus récemment, où tu es passé, le backstage, qui est le café-concert à Montrouge. Ouais. Et bon, il faut bien préciser que quand Dominique parle de studio de répétition, c'est genre quand les Rolling Stones viennent préparer leur tournée, ils viennent chez toi, genre Iron Maiden, c'est ce genre de calibre, quoi. Pas que, ouais, y a pas que. Non, il y a aussi des gros noms voilà, qui viennent préparer leur Olympia, parce que vous avez abondi. Enfin, il y a des studios de répétition genre pour petits groupes, quoi, mais il y a des trucs, les gens peuvent venir répéter comme s'ils étaient sur une scène complète. Une scène, voilà, Planet Live, on a une salle à 450 mètres carrés qui a une scène de 14 mètres d'ouverture, ce qui permet d'avoir les mêmes dimensions que la scène de l'Olympia pour pouvoir préparer et l'artistique et la technique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce genre de calibre-là. Alors, donc, j'imagine que du jour au lendemain, avec le confinement, toi, t'es passé de ça d'activité à 0%. Comment ça s'est passé? À rien. À rien. De tout à strictement rien. Ouais. c'est là où ça fait vraiment drôle. Bah ouais, alors, tu m'étonnes, ouais. J'ai récupéré 20 ans de sommeil. Ok. Je m'occupe de mes enfants. C'est bien aussi, ouais. Voilà. Mais à côté de ça, non, ça fait drôle, quoi. Ça fait drôle, ça fait vraiment drôle, parce que là tout s'arrête, et je crois que le pire là-dedans, c'est de pas savoir quand est-ce que ça va reprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.